Salut à tous. Vous savez, on ne devrait jamais souffrir d'insomnie. Et malheureusement, hier soir, j'ai souffert un peu d'insomnie. Chose qui arrive. Je ne savais pas quoi faire hier soir, je m'ennuyais un peu. J'avais pas envie de bouquiner. J'avais envie de faire des trucs geeks. Ça arrive. Donc, je me suis replongé dans mes archives. Et puis, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est? Parce qu'en fouillant mes archives, je suis retombé sur un vieil article, projet fou de logiciel libre, parce que je voulais faire un article justement dans ce domaine. Et en fouillant mes archives, je suis retombé sur l'article de juillet 2016 parlant du port d'Unity pour Arch Linux. Vous savez, l'environnement développé par Canonical et Ubuntu, Unity, qui est par définition d'une difficulté monstrueuse à faire porter. Ça fait en gros depuis qu'Unity existe, donc ça fait à peu près 5 ans, 5-6 ans, que des développeurs essaient de le porter sur autre chose qu'Ubuntu. Le port existe toujours, je ne vous dis pas, tous les liens sont dans le descriptif. Donc, je me suis dit hier soir, je sentais que j'allais pas m'arriver à m'endormir. Donc, 21h, j'ai cloné le dépôt Git. La compilation des 50-60 paquets, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet, c'est qu'à le dire, s'est arrêtée aux alentours d'une heure du mat. J'ai fini l'installation des paquets avec la tête dans le fion, et non pas, bien sûr, dans le fillon. Désolé, avec l'actualité politique actuelle, je ne pouvais pas m'empêcher de la sortir. Bref, et je me suis dit, est-ce que ça va démarrer? Je vous laisse la surprise, mais avant de lancer ensemble, vous allez voir l'ensemble des paquets qu'il faut faire recompiler. Voilà, donc c'est le projet. Et voilà, vous avez tous les paquets. Et voilà la liste des paquets dans l'ordre de compilation. Bon, systemd, c'est pas la peine parce que c'était avant que systemd 232 arrive. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est déjà 30. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 paquets! Ouais! On voit la légèreté du bousin. Et dans les paquets en question, il y a trois paquets qui sont des véritables purges. Une unité de purge, c'est vraiment des purges à faire compiler. C'est GTK2, GTK3 et Nux. Il y a deux paquets que je n'ai pas réussi à faire compiler, c'est AppMenu, Qt5, pas voulu compiler, bon, pas bien grave. Très bien plaisanterie, donc j'étais parti d'une base Arch Linux pour mon tutoriel, que j'ai cloné pour justement repartir. Ouais, c'était éteint depuis 1h33 hier matin, enfin ce matin. Donc là, on ferme tout ça, et on va voir ce que ça donne. Miam miam. Donc c'est une Arch Linux avec un noyau 4.9.6. Et Unity 7.5, je sais plus combien. Enfin, apparemment le dernier Unity stable en date. J'ai bien sûr essayé de ubuntuiser au maximum l'apparence. En gros, j'ai repris la même liste de paquets, les mêmes options que dans l'article du mois de juin 2016. Juillet 2016, pardon. Donc là. Déjà, ça a démarré. Dans la session, bien sûr, on a. Comme c'est une surcouche à GNOME, j'avais mis GNOME en dessous. Enfin, je commençais par compiler Unity, mais après il a fallu que je modifie le fichier, etc. pacman.conf par rapport au config de fichier. Bref, je vous montrerai le pacman.conf pour les paquets que j'ai obligé de faire ignorer. C'est démarrant. Donc, on se connecte. Et est-ce qu'Unity va se charger? Espérons que je n'ai pas fait de faute de frappe. C'est là qui me fait le coup de ne pas vouloir se charger l'enfoiré. Méchant, va! On va le redémarrer. Je ne sais pas bien, mais on va le redémarrer. J'espère que cette fois-ci, il va bien vouloir me charger. N'est-ce pas? Je croise les doigts pour que cette fois-ci, ça veut bien charger. Ce serait con quand même
que je me sois tapé 4h30 de, enfin, que la machine se soit tapée 4h30 de compilation pour des prunes. Donc là, on va se connecter. Ah, mais cette fois-ci, ça a passé du premier coup. Faut pas chercher à comprendre. C'est les beautés de l'informatique. Donc, le fond d'écran GNOME. Est-ce que ça va charger? Ça gratte. Oula. Il gratte bien, pour bête. Ouh là là. Ils en ont même fait une soufflante. Je vais redémarrer l'ensemble. Ouh là là. Non, j'espère que cette fois-ci sera la bonne, mais il m'a fait quand même une sacrée soufflante d'un seul coup. Ouh, j'aime pas beaucoup ça. Donc, ça peut-être la troisième tentative sera la bonne. Croisons les doigts. Mais par contre, je vais passer en plein écran uniquement si Unity se charge. J'espère. Aléa du direct, n'est-ce pas, hein? Ce qui prouve déjà qu'Unity est vraiment fait pour être portable. Ou pas. Voilà. Ça gratouille. Alors, tu vas charger ou pas? Ah! Un environnement qui ressemble à Unity. Donc, je passe en plein écran cette fois-ci. Donc, nous avons le logo Arch Linux pour le Dash. OK, fichier, Firefox, LibreOffice Writer, Calc, les paramètres système et l'ISO. Donc, à propos de ces ordinateurs. Ouais! Super! Désolé. Non, bien sûr, on a tous les paramètres de réglage de GNOME. Alors, session d'invité, paramètres, le clavier, le circuit son, n'est-ce pas? Le clavier virtuel. Donc, on va voir. Ce que nous donne, par exemple, on va voir ce que donne le bloc, enfin le port d'Unity. Voilà. Mes dossiers. C'est un peu long, mais ça fonctionne, hein. Enfin, ça fonctionne. Pour du Unity, vous me direz. La musique, il n'y a rien du tout. Et les images, il n'y a rien du tout non plus. Donc, je vais retourner aux applications. Bah, donc, c'est les applications utilisées récemment. Oui, parce que tu es obligé pour afficher l'ensemble. Au premier démarrage, quand j'ai vu que ça démarrait, j'ai installé des thèmes. Voilà. Ambiance. Le thème. On va mettre aussi Radiance par exemple. Mais Ambiance est quand même plus joli. Le jeu d'icônes Humanity ou Humanity Dark. Voilà. Bon, il n'y a pas de. Donc, voilà, c'est tout ça. Les réglages classiques. Donc, voilà. Avec le menu global, le menu à la Mac. Donc, bien sûr, c'est traduit en français. Voilà. Avec un GNOME 3.22 en dessous. Voilà. Donc, on va essayer de rajouter. Moi, je sais pas. Je crois que j'ai rajouté Thunderbird sur la machine virtuelle. Oh non, je croyais l'avoir mis. Ben, je vais rajouter Thunderbird avec PA-Mac. Donc, sur le plan technique, vous avez bien sûr une Arch Linux, hein. Donc, je vais passer avec le terminal. Parce qu'on me dit, ouais, c'est peut-être une Ubuntu que tu as trafiqué. Niet. La preuve en action. Je
Non, c'est contrôle shift plus. Voilà. Ça vous suffira. Donc, si on fait lsb release moins a. Voilà. Ah oui, je vous avais dit que j'étais obligé de modifier le fichier pacman.conf. Voilà ce que j'étais obligé de mettre dans la série des paquets ignorés pour éviter qu'il y ait des conflits. Donc, si on va dans la ligne ignore pkg, voilà, j'étais obligé de bloquer gnome session, gnome settings, daemon et nautilus. Parce qu'ils sont recompilés. Voilà. Donc, dans les détails techniques, j'étais obligé par rapport au port de rétrograder certains paquets. Par exemple, si je cherche GTK3 en PAMAC, on voit que la version officielle, c'est là. Alors, GTK3, c'est à 3.22.7 sur Arch Linux, mais c'est GTK3 Ubuntu 3.22.5. Dans les groupes, si on regarde Unity, alors Unity, je l'ai vu où? Par là, voilà, Unity. Voilà, c'est tous les paquets que j'ai oublié, que j'ai fait recompiler. Et vous voyez quand même un sacré paquet. Il y a l'IDM, bien sûr, il y a Nautilus. Bon, bien sûr, voilà. Unity Extra, c'est les thèmes, les icônes. Il y a certains paquets qui sont maintenant abandonnés en amont, enfin, abandonnés par Arch Linux, comme par exemple libgnome. Je vais trouver libgnome qui n'existe plus. Voilà. Avant, il était sur le dépôt extra, il n'existe plus. Libgnome aussi data. Il y a le libgnome UI et il y a le libbonobo UI. Et au moins une demi-douzaine de paquets qu'il a fallu que je récupère sur ce qu'on appelle Arch Linux Archive. Je vous montrerai après. Donc, dans les paquets orphelins, dans ma personne. Et paquets étrangers, voilà. C'est tous les paquets tiers. Et il y a quand même un sacré paquet, c'est le cas de dire. Hein. Mis à part bien sûr yaourt et tout ce qui est dépendance de yaourt. Donc, je vais installer Thunderbird pour voir si quand même on peut épingler des icônes dans la barre latérale de gauche. Je crois que ça s'appelle le dash. Tac. Et Thunderbird 18NFR. Appliquer. Valider. D'accord. Appliquer. Valider. D'accord, il y a un problème par rapport à ça, mais c'est pas bien grave, on va passer par une de commande. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'authentifier. Bon. Alors, yaourt-s, Thunderbird, i18nfr. Peut-être qu'il manque le paquet GKSU. Faut que je vois s'il est installé. Mais sinon, déjà, l'environnement Unity semble fonctionner. Mais c'est lourd. Ouais. Donc là, voyons. Bien sûr, on a le menu global. Avec la version qui sera utilisée par la 1704 Zaupost, comme ça que ça s'appelle, enfin bref, la ZZ. Je n'ai pas envie de dire de bêtises sur le plan de l'appellation. Je vais voir si GKSU est installé, sinon je vais l'installer qui me donnera le. GKSU. Non, il n'est pas installé. Donc on va installer yaourt-s GKSU. On va voir l'autorisation de connexion. Donc là, cette fois-ci, ça peut être la bonne. Donc je vais relancer Ajout ou suppression de programme. Là, par exemple, je vais épingler le lanceur. Voilà. Donc là, je vais essayer d'installer. Bien. On va prendre VLC. Non, pas VLC. On va prendre MPV. Il y a moins de dépendance. Ça sera mieux. Et zut. Bon.
y a un truc qui manque, je sais pas quoi. C'est pas grave. Ah oui, donc je vous disais qu'il y avait pas mal de paquets que j'ai dû rétroporter, enfin récupérer sur les dépôts de stockage, parce qu'ils n'étaient plus disponibles sur les dépôts officiels. Libnum UI, Lib Orbit 2, Libnum, Lib Bonobo UI, bref, un petit paquet. Dans ce cas-là, il y a un outil qui s'appelle l'Archlinux Rollback Machine. Ou Archlinux Archive. C'est un dépôt qui permet de rétrograder des paquets en cas de problème. Voilà. Ça permet de rétrograder des paquets. Et si on farfouille, voilà. Donc, par exemple, pour le paquet libgnome que j'étais obligé d'installer, je suis allé dans paquets. Alors, je vais dans L, par exemple. Et je vais chercher libgnome pour gagner un peu de temps. Voilà. Libgnome qui n'existe plus sur le dépôt officiel, la preuve en image. Ben, si je cherche libgnome, introuvable sur AUR. Être trouvable, mais je pense qu'il faut le recompiler. Mais comme j'avais envie de me simplifier, voilà, il y a libgnome, mais il y a les dépendances de libgnome qui ne doivent pas être disponibles. Les bonobos, c'est-à-dire au lieu de faire tout recompiler, j'avais dit, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc je suis passé directement par les paquets précompilés. Mais si je peux compiler depuis AUR, mais je me suis dit, eh, credi, voilà, comme vous pouvez le voir. Il m'a suffi de cliquer sur ça et boum, j'avais récupéré les paquets et toutes les dépendances. Je les ai récupérées ainsi via l'Archlinux Archive. Donc, mis à part le problème, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à m'authentifier. Mais ça fonctionne. Là, par exemple, LibreOffice avec le mode menu global. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve que ça fait un peu trop Mac. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fonctionne très bien. Bon, j'ai pris ça pour faire un essai, mais sinon, ça fonctionne très bien. Voilà donc. C'est à peu près utilisable, mais c'est vraiment très très lourd. Moniteur système, on doit être quand même dans les, on va dire, 700 mégas facile. Un processus, ressources, 820 mégas. Ouais! Et compise en lui-même, il mange combien? Ah, mais quand même 188 mégas rien que pour Compiz, qui sert de base à notre ami Unity. Donc là, on va fermer la session. Voilà, mis à part le démarrage un peu brusque et un peu ennuyeux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!